te dis que si. Oh, et puis merde, vas-y, tue-moi, je mastique et le mange. Oui, j'étais en train de me taper une pogne, de me faire mousser le créateur, d'accord? De faire guili-guili à monsieur Popol. Oh, tu es dégoûtant. Désolé, mais certains d'entre nous bénéficient encore d'une libido en état de marche. Moi aussi? Ah oui, visiblement, il n'y a que moi qui éprouve le besoin d'y remédier. Oh! Oh! Lester, je refuse d'endurer ce calvaire. Ça n'est pas un mariage! Tu t'es accommodé de ce mariage durant des années parce que t'étais parfaitement heureuse tant que je me la bouclais. Eh bien, je vais te dire, il se trouve que j'ai changé et ton nouveau mari se branle un coup quand il a envie de baiser vu que tu m'as fait comprendre qu'il fallait pas compter sur toi dans ce domaine. Oh, je vois. Et tu crois que tu es le seul à être frustré sexuellement, peut-être? C'est pas le cas. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Moi, je suis prêt. Profites-en. Ne t'avise pas de poser la main sur moi, mon vieux. Sinon, je demande le divorce tellement vite que t'auras même pas le temps de tourner la tête. Et pour quel motif? Je suis pas alcoolique, je n'ai pas baisé d'autres femmes, je te maltraite pas, je t'ai pas tapé dessus, je n'essaie même plus de te toucher depuis que tu m'as clairement fait sentir à quel point j'étais inutile pour pas dire encombrant. Mais je t'ai entretenu pendant que tu faisais tes études et certaines personnes pourraient en conclure que ça me donne droit à la moitié de tes revenus. Sur ce, n'oublie pas d'éteindre avant de te coucher. Bonsoir.